Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer en lisant dans Deutéronome 33. Nous lisons de verset 1 jusqu'à 3. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu de Sainte Myriade. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Amen. Amen. Ce matin, nous aussi, nous sommes venus au pied du Seigneur pour recevoir de lui sa parole. Nous allons incliner nos têtes et nous allons tous nous recommander entre les mains du Seigneur. Lui qui nous a rassemblés ce matin, qui puisse disposer de nos cœurs, car c'est pour un but qui nous a amenés jusqu'en ce lieu. Prions tous. Dieu notre Père Céleste, ce matin encore, Seigneur, c'est pour nous un grand privilège de venir, Seigneur, se rassembler en ce lieu. Nous comptons, Seigneur, sur ta grâce et ta miséricorde, dans le précieux nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. May the Lord bless all of us. Je vous salue tous à mon tour dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. C'est une joie d'être encore rassemblés en ce lieu pour l'écouter la parole. It is a joy to be here for the word of God. Car le Seigneur renouvelle ses bontés et ses grâces sur nous chaque matin. Because the Lord renews his grace and his goodness to us every morning. Et si nous pouvons respirer, if we can breathe, et si nous pouvons marcher, if we can walk, et si nous pouvons être en bonne santé, if we can be healthy, c'est par la grâce de Dieu. It's by the grace of God. Et tout cela nous vient de lui. And everything comes from him. C'est pourquoi chaque fois que nous avons encore la chance de l'adorer, nous devons l'adorer avec because joie. Because every time we have the opportunity to worship him, we must do it with joy. Comme le psalmiste le disait, as he said in the book of Psalms, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. All those who breathe praise the Lord. Que Dieu nous bénisse. May God bless all of us. Nous allons lire. We are going to read. Nous avons un communiqué, ça je vais laisser le frère Joseph viendra lire ça. Il y a un communiqué ici. Allons dans le livre de Matthieu. The book of Matthew. L'évangile selon Matthieu. The gospel according to Matthew. Dans le chapitre 6. Chapter 6. Là-bas, le Seigneur est en train de parler. Here the Lord is talking. Nous lisons le verset 33. Verse 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Père céleste et Dieu tout-puissant, nous voici encore devant le trône des grâces, Seigneur. Nous venons à toi après avoir lu cette portion de l'Écriture. Nous comptons que sur ta grâce, car celui qui donne l'interprétation de la parole, c'est toi. Puisses-tu ouvrir notre intelligence afin que nous puissions saisir ta parole, que tu nous donnes vraiment, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Ton peuple est venu ce matin, ils sont assoiffés. C'est toi qui connais le désir et le besoin de tout un chacun. Réponds à chacun selon la mesure de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Merci pour tous tes bienfaits à notre égard. Honneur, louange soit rendu à toi. Nous te le demandons ainsi dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Vous pouvez vous asseoir bien-aimé. Please take a seat. Matthieu. Matthew. Le Seigneur parle ici. Here the Lord is talking.
Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. First seek the kingdom of God and his righteousness. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. And all these things will be given to you as well. Ceci a d'importance capitale. This is very important. Parce que dans Deutéronome, in Deuteronomy, au chapitre 6, chapter 6, il est écrit ceci. This is what it's written. Deutéronome 6. Deuteronomy 6. Le verset 4. Verse 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Hear, O Lord, O Israel, the Lord our God is the Lord. The Lord our God, the Lord is one. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your might. Marc, your strength. Avant dans Marc, le Seigneur parle ici aussi. Here the Lord is talking as well. Marc. Marc. Marc chapitre 12. Chapter 12. Le verset 29. Verse 29. Jésus répondit, voici le premier. Le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Amen. Amen. Alors, ici, dans Matthieu chapitre 6, in Matthew chapter 6, le Seigneur est en train de nous dire de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. The Lord is telling us to seek first the kingdom and the righteousness of God. Et qui sont ceux-là qui doivent chercher le royaume? Who are those who must seek the kingdom? Quand le Seigneur parle, when the Lord speaks, c'est comme on le dit, vous voyez qu'il parle cela à l'impératif, c'est un commandement. This is a command, it's an imperative. Alors quand il dit chercher, when he says seek, les gens peuvent se poser la question. People may ask themselves, comment allons-nous chercher le royaume de Dieu? How are we going to seek the kingdom of God? Allons-nous chercher le royaume comme si nous sommes en train de chercher l'aiguille dans le sable? Are we going to seek the kingdom as though seeking a needle in the haystack? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par cela? Now, what the Lord is trying to say here? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Seek first the kingdom of God. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. And all other things will be added unto you. Mais il faut se référer à ce que nous venons de lire dans Deutéronome. But you must refer yourself to what we just read. Écoute, ô Israël. Listen, ô Israël. L'Éternel ton Dieu. The Lord your God. Est l'unique Seigneur. The Lord is one. Tu l'aimeras. You love him. De toute ton âme. With all your soul. De tout ton cœur. With all your heart, et de toute ta pensée, and with all your mind, parce que le royaume de Dieu, because the kingdom of God, est pour ceux-là, ceux dont le Seigneur a connu d'avance, is for those the Lord foreknew. Ces gens-là dont le Seigneur a préparé, the people that the Lord had prepared before, ceux-là qui doivent croire sa parole sans ambiguïté, those who must believe the word of God without any ambiguity. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28, that's why in Matthew 28, le verset 19, verse 19, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Go and make all the nations my disciples. Parce que la révélation, because the revelation, est pour les disciples. Is for the disciples. Les disciples sont ceux-là qui écoutent la parole et qui la gardent. The disciples are those who listen to the word and keep it. Les disciples et ceux-là, the disciples are those qui à qui le Seigneur accorde la révélation. To whom the Lord gave his revelation. Parce que dans Esaïe, il est écrit, In the book of Isaiah, Esaïe chapitre 8, Isaiah 8, le verset 16, verse 16, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples.
Amen. Amen. La révélation est scellée parmi les disciples. The revelation is sealed up among the disciples. Alors quand le Seigneur dit, when the Lord says, cherchez premièrement le royaume de Dieu, seek first the kingdom of God, le Seigneur ne parle pas à tous. The Lord is not talking to all people. Il parle à ceux-là qui ont été élus avant la fondation du monde. He's talking about those who were elected before the foundation of the world. C'est là que le Seigneur a préparé the people that the Lord prepared, le cœur pour croire. The Lord prepared their heart to believe. La Bible dit the Bible says, que la foi vient de ce que l'on entend. Faith comes from hearing. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. What you hear from the word of Christ. C'est quand nous écoutons la parole. It's when we listen to the word. La parole nous accorde de la foi. The word gives us faith. Alors, le travail que nous sommes censés faire, the work that we must be doing, de chercher le royaume, to seek the kingdom, c'est de croire, is to believe, en celui qui a été envoyé, to him that was sent, comme lui-même le dit, as he said himself, dans Jean, in the book of John, chapitre 6, chapter 6, le verset 27, verse 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. C'est de croire en celui qui a été envoyé. Is to believe to the person who was sent. Jésus-Christ. Jesus Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Seek first the kingdom of God. Et sa justice. And his righteousness. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. And all the other things will be given unto you. Parce que l'homme, quand Dieu a créé l'homme, when God created man, ce n'était pas pour que nous puissions commencer à travailler. It wasn't for us to start working. Quand nous allons dans Genèse, when we go back to Genesis, nous voyons que quand Dieu a créé, we see when God created, la Bible dit the qu'il Bible a mis un jardin en Éden. He put a garden in Eden. Là-bas en Mésopotamie du côté de l'Irak. In Mesopotamia next to in Iraq. Et là-bas, il a mis Adam et Ève. And he put Adam and Eve in there. Et si vous lisez la Bible attentivement, if you read carefully the Bible, vous verrez que Adam ne sortait pas là-bas pour aller au travail night shift ou day shift. Il était seulement dans le jardin. You will see that Adam was not going to work day shift or night shift. Il would just stay there in the garden. Il était là. He was there. Comme quelqu'un que Dieu avait donné la responsabilité de toute la créature. Yeah, he was there as somebody that God gave the responsibility for all the creatures. Alors, l'homme a été créé. Man was created. Pour adorer son créateur. To worship his creator. Ce n'est pas pour que nous commençons à travailler tout ce que nous sommes en train de chercher. It wasn't for us to start working and doing what we are doing. Adam vivait en Eden. Adam was living in Eden. Il ne payait aucun bill. He did not pay any bills. Mais il était dans la joie de tout ce que le Seigneur lui avait donné. Yeah, he was happy with all that the Lord gave him. Mais c'est quand l'homme a péché. It's when man sinned. Que la terre ou la nature a été maudite à cause du péché de l'homme. That the nature was a curse because of the sin of man. Et c'est là où a commencé le problème. That's where all the problems started. C'est alors que le Seigneur est en train de dire à Adam. That's why the Lord is telling to Adam. Que tu travailleras la terre pour que tu manges. That you start working the ground for you to eat. C'est là où a commencé le problème du travail. That's when people started working. Mais quand l'homme était créé au commencement. But when man was created in the beginning. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit. That's why the Lord Jesus said. Quand même on lui a posé la question sur les problèmes de divorce et autres. When they ask him about divorce and other things, il a dit que c'était à cause de l'incrédulité de vos cœurs. He said it was because of the unbeliefs of mais your heart. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. But that wasn't the case in the beginning. Mais qu'est-ce qui était au commencement? What was in the beginning then? Écoute, ô Israël. Listen, ô Israël. L'Éternel ton Dieu. The Lord your God. Est l'unique Seigneur. The Lord is tu one. Tu l'aimeras. You love him. De toute ton âme. With all your soul. De tout ton cœur. With all your heart. Et de toute ta pensée. And with all your mind.
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. And you love your neighbor as yourself. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fasse pas pour autrui. What you do not want people to do to you, do not do it to others. Mais l'homme a perdu tout cela. Man lost all that. Au courant des âges et tout ce qui nous prend ici. Throughout the ages, on n'a plus le temps même de prier le Seigneur. Now we don't even have the time to pray the Lord. On monte, on descend. We go up and down. Et quand vous regardez bien, mes frères et sœurs, when you look carefully, my brothers and sisters, vous verrez que nous sommes en train de courir d'après les choses du néant. Now you see that we are running to in vain. C'est pourquoi l'homme sage a dit. That's why the wise man said. Dans Ecclésiaste, Salomon, l'homme sage. Solomon, the wise man, in the book of Ecclesiastes. Il a dit que tout est vanité, vanité de vanité. Everything is worthless. Mais celui qui est intelligent, a smart person, c'est celui qui croit en son créateur. Is he who believes in his creator? C'est celui qui adore son créateur. Is him who worship his creator? C'est celui qui connaît la raison pour laquelle il a été envoyé sur cette terre. Is the person who knows the purpose for which he was sent on this earth? C'est celui qui connaît pourquoi il vit. Is the person who knows why they live? Ce n'est pas pour que nous puissions construire, acheter des maisons, des voitures, avoir beaucoup d'argent. Not to build houses and to have a lot of money. Non, c'est pour que nous puissions régner avec notre créateur. We were created to reign with our creator. Parce que le Seigneur nous avait élus. Because the Lord elected us. Pour que nous puissions glorifier avec lui sa gloire. So that we can glorify his glory with him. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. I am not saying this. C'est Paul qui l'a dit aux Éphésiens. That's what Paul is telling to the Ephesians. Allons dans Éphésiens. Let's go to the book of Ephesians. Ephésiens chapitre 1. Ephesians 1. À partir du verset 11. From verse 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Amen. C'était pour que nous puissions célébrer avec lui sa gloire. It was for us to praise his glory. Alors, la gloire, the glory, n'est que pour le roi. It's only for the king. Il y a que ceux qui sont dans les royaumes qui peuvent célébrer la gloire. Only those who are in the kingdom can celebrate his glory. Mais maintenant, rappelez-vous, c'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de dire, everything we are saying, l'écriture de base que nous avons ici, the scripture that we have, gardez here, cela en tête, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 33. Keep it in mind, Matthew 6:33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, seek first the kingdom of God, et sa justice, and his righteousness, et toutes les autres choses vous seront données sur plus comme des bénéfices. And all other things will be added unto you. Maintenant, pour que vous puissiez être dans ce royaume, now, for you to be in this kingdom, vous devez croire. You must believe. Vous êtes baptisé. You are baptized. Croire de tout votre cœur. Believe with all your heart. Pas faire semblant de croire. Not pretending to believe. On vous met dans l'eau, un pécheur qui est sec. They're going to put you in the water, a dry sinner. Quand vous sortez, vous êtes un pécheur mouillé. When you come out, you are a wet sinner. Et on demeure le même personne. And you remain the same person. Non. No. On demeure la même personne. Non. No, you cannot remain the same person. C'est pour que quand nous croyons, when we believe, nous puissions maintenant faire le chemin avec notre rédempteur. We can make our way with our redeemer. Que nous puissions marcher avec lui. We can walk with him. Parce qu'il y a plusieurs promesses qui sont faites aux disciples. Because there are many promises that were made to the disciples. Et ce sont ces disciples. And only those qui disciples sont les gens de la maison de Dieu. Who belong to the household of les God. Les gens avec qui le Seigneur veut partager sa gloire. People with whom the Lord want to share his glory. Et cette gloire ne sera pas partagé à quiconque. That glory won't be shared with anybody. Non, ce n'est que à ceux que le Seigneur lui-même a connu d'avance. Only to those the Lord foreknew. Parce que ceux-là, because those, ils ne peuvent jamais l'abandonner. He cannot forsake them. Ils savent la raison d'être. They know the reason of being. Yes, ils savent pourquoi ils vivent. They know why they live. Parce que la Bible dit dans Ecclésiastes chapitre 3, the Bible says in Ecclesiastes 3, que bien que l'homme tout ce qu'il est en
train de faire ici. Everything a man is doing here. Il monte, il descend. He go up and down. Il ne croit pas. He does not believe. Mais dans le cœur de l'homme, but in the heart of man, Dieu a mis quelque chose. God has put something. Quand vous voyez l'homme en train de chercher, ils adorent Bouddha. When you see a man worshiping Buddha, ils adorent, c'est pas moi, Mahomet. They worship Muhammad. L'homme est en train de chercher comment être en contact avec son créateur. The man is seeking to be in contact with his creator. Mais quand l'Éternel ou le Seigneur n'ouvre pas votre intelligence when pour comprendre la parole, does not open your understanding to understand the word, vous êtes là en train de tâtonner. You are just trying yourself. Jusqu'à ce que, until, c'est pour ça que dit Paul dans Actes des Apôtres chapitre 17. That's what Paul is saying in the book of Acts 17. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Now God does not take into account the time of your ignorance. Jusqu'à ce que vous allez croiser la parole. Until you meet the word. Cette parole qui tombe dans votre cœur. The word that will fall into your heart. Vous dites c'est ce que je cherchais. And you say this is what et I was trying to find. Et là-bas maintenant vous faites l'expérience de la régénération. Then you are going to have that experience of new birth. Vous êtes né de nouveau. So you are born again. Ce que le Seigneur a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3. What the Lord said to Nicodemus in John chapter 3. Tu dois naître de nouveau. You must be born again. Pour que tu sois maintenant part du royaume. So that you can be part of the kingdom. Pour que tu sois maintenant attaché à ton Seigneur. So that you can hold on to the Lord. Que tu comprennes la raison pour laquelle le Seigneur t'a créé. And you will understand the reason why the Lord created you. Alors maintenant, le promesse que le Seigneur nous a faite, nous, les disciples. The promise that the Lord meant to us. Vous et moi. You and me. C'est pour que nous puissions glorifier le Seigneur de gloire. So that we is that to glorify the Lord of glory. L'homme dans ce monde. Now, man in this world. Quand il voit quelqu'un qui a un tel rang. When he sees somebody who have a certain rank. Vous voyez quelqu'un en train de trembler. You see somebody shaking. Quand on vous dit when que vous allez croiser un président d'un pays. That you're going to meet a certain president of a country. On vous dit que vous allez croiser un ambassadeur. They tell you you're going to meet with an ambassador. Regardez vous-même. Look at yourself. Là-bas à l'aéroport où je travaille. At the airport where I beaucoup work. Beaucoup de célèbres passent là-bas. Many celebrities comes through there. Et quand ces gens-là passent. When those people pass je by. Je me rappelle une fois il y a de cela 3 ou 4 ans. I remember three or four years ago. Vers 23h, it was around 11 p.m. J'ai vu des gens en train de venir à l'aéroport. Je ne comprenais qu'est-ce que je ne comprenais rien. I saw a lot of people coming, rushing. Maintenant, quand je pose la question, when I ask the question, je dis mais pourquoi tous ces gens? Why are these people, all these people coming? Quelqu'un qui travaille là-bas me dit. Somebody who works there told me. Parce qu'il y a John McCarthy qui est en train de venir. It's because John McCarthy is coming. Il est ici à Atlanta. He's here in Atlanta. Alors il doit prendre son vol pour partir. He's going to take his plane to go. Il dit tu le connais pas? He said, don't you know him? Moi je dis je le connais pas. He said, I do not know him. Il dit ce sont les Beatles, des gens qui ont fait succès dans les années 67-68. One of the Beatles, people who had a lot of quand success. Quand les gens le voient. Ils tremblent, ils tombent, ils font tout cela. Now when people see them, they tremble and they fall tout down. Tout ce qu'ils cherchaient, that. Il y en a les autres qui pouvaient montrer même les fesses pour entrer de l'autre côté. There were people who could jump over the fence. Mais just c'est to come un homme comme toi. But he's just a man tout like simplement you. À cause de la du rang qu'il occupe. Only because of the rank that he is in. Et vous voyez les gens trembler. And you see people shaking. Je causais avec tel. I met with this person. Je suis dans la photo avec tel. I have a picture with this person. Mais à combien plus forte raison? How much more? Si vous croyez dans celui qui a créé tout l'univers. If you believe in him who created the universe. Pourquoi sommes-nous dans l'ignorance? Why are we in ignorance? Nous avons le Seigneur de gloire. We have the Lord of glory. Le Seigneur est à notre côté. The Lord is next to us. Qui sera contre vous? Who will be against you? Pourquoi avez-vous des regards inquiets? Why are you? Do you have your eyes? Croyez dans celui qui vous a créé, le believe, Seigneur de gloire. In him who created c'est lui qui a écrit ce livre ici. He who wrote this book. Et tout ce qui est écrit ici. And everything
written in it. Et oui et amen. Is yes and alors, amen. Alors l'apôtre Paul dit, the apostle Paul said, nous n'avons pas de force contre la vérité. We don't have, we are not strong against the pourquoi truth. Pourquoi il dit ça? Why is he saying this? Parce que la vérité est un homme. Because the truth is a man. Dans Jean il dit, in John he said, en vérité, je vous le dis. I tell you the truth. Moi je suis le chemin. I am the way. La vérité et la vie. The truth and life. Nul ne peut venir à moi. No one can come si to le me Père ne l'attire premièrement. Unless the Father draw nous him near. Sommes allés à lui. We went to him parce que le Père nous a attirés premièrement. Because the Father drew us to afin him que nous soyons maintenant partie de cette gloire. So that we can be part of that glory. 1 Corinthiens. 1 Corinthians chapitre 6. Chapter 6. Le verset 3. Verse 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Amen. Do you not know that we on will commence judge à partir angels. Du verset 2. Verset 2. Verse 2. Let's start from verse 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et don't si, you know that the saints will judge the world? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? And amen. If c'est une question qu'il you pose. Are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Mais qui sont ceux qui peuvent juger? Who are those who can judge? Ne juge ne peut être que juge. A judge can only be judged. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont dans un gouvernement. It means those are people who belong to a certain government. Et à qui on a donné une certaine autorité? To whom a certain authority was bestowed upon? Parce qu'ils ont été élus. Because they were elected. Alors nous. Oui, nous allons juger le monde. We are going to judge the world. Pourquoi? Why? Mais parce que nous faisons partir du gouvernement de Jésus-Christ. Oh, because we are part of the government of Jesus Christ. Nous sommes les gens du royaume. So we belong to the kingdom. Nous jugerons le monde. We'll judge the world. Parce que le Seigneur nous a élus. Because the Lord elected nous us. Nous avons cru en lui. We believed in him. Et nous allons participer à sa gloire. And we are going to take part. Alors, quand le Seigneur aura à juger, quand le Seigneur sera sur cette terre en tant que roi, when the Lord will be on this earth as a king, nous sommes la reine. We are going to be the queen. Nous serons à ses côtés. We are going to be next to alors, him. C'est à cela qu'on est en train de dire, cherchez premièrement le royaume de to Dieu. Those that they are saying, seek first the kingdom of et God sa justice and his righteousness. Et toutes les autres choses and vous seront données par-dessus. Will be added unto you. Parce que vous faites partie de ce royaume-là. Yeah, because you are part of the kingdom. Le royaume dont le Seigneur lui-même sera le roi. The kingdom where the Lord himself will be the king. Et nous serons avec lui et nous jugerons et nous serons avec lui en tant que reine. And we will be with him as a queen. Alors quand nous connaissons notre position, when we know our position, nous devons être conséquents avec nous-mêmes. We must be act consequently with ourselves. Avec la parole que nous croyons. With the word of God that we believe. C'est pourquoi la Bible aussi nous dit. That's why the Bible said. Allons dans Ecclésiaste. Let's go to the book of Ecclesiastes. Ecclésiastes. Le chapitre 10. Chapter 10. Le verset 17. And verse 17. Heureux toi pays dont le roi est de la race illustre et dont le prince mange au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Amen. Amen. Nous sommes ces gens-là. We are of those people. Dont le roi est de la race illustre. Whose king is of a noble birth. La race illustre qui est la race royale. The noble birth which is the royal race. Et dont le prince mange au temps convenable. Whose prince eat at the proper time. La nourriture nous a été préparée pour que nous puissions la manger au temps convenable. The food was prepared for us so we can eat it at the proper time. Pour que nous puissions avoir la force lors de notre marche. So that we can have the strength throughout our walk. La Bible dit, the Bible says, dans 1 Pierre, 1 Peter, cette écriture que vous connaissez bien, you all know this scripture. Heureux est pour vous, lisons ça. Let's read it. L'honneur, plutôt. Yes. Merci. C'est 1 Pierre. 1 Peter.
chapitre 2, 1 Pierre. 1 Peter chapter 2. Yeah, le verset 7. Verse 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, vous n'êtes pas destinés à la colère. You are not called to wrath. Alors il dit au verset 9, he said in verse 9, vous au contraire, vous êtes une race élue. You are an elected race. Un sacerdoce royal. A royal priesthood. Une nation sainte. A holy nation. Un peuple acquis. A people belonging to afin God, que vous annonciez le verdict de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. That you may deliver the presence of him who called you out of darkness into his wonderful light. C'est à cela que nous sommes appelés. That's what we are called for. Notre roi est de la race illustre, la race royale. Our king is of a noble birth. Nous-mêmes, nous sommes de cette race royale. We are part of the royal race. Alors, c'est pourquoi le royaume de Dieu est quelque chose de capital pour nous. Because that's why the kingdom of God is something very important for Dieu, us. C'est pourquoi Dieu, il est le premier avant tout ce qu'on peut faire. Because that's why God is the first pourquoi? Before anything parce que else nous we can comprenons, do. Nous comprenons l'importance de la parole que nous croyons. Because we understand the importance of the word c'est that we believe. C'est ce qu'il dit encore dans Apocalypse. Revelation chapitre 5 également. Chapter 5. Il parle des sacrificateurs dont vous êtes. He's talking about the priest that you are. Apocalypse chapitre 5. Now, Revelation chapter 5. À partir du verset 10. From verse 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. This is what we are called for. C'est pourquoi. That is why. Deutéronome, rentrons là-bas. Let's go back to the book of Deuteronomy. Deutéronome. 33, que nous venons de lire avec le frère Gabi. 33. Le troisième verset. Verse 3. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Amen. Amen. Nous sommes là pour recevoir ses paroles. We are here to receive his instructions. Nous sommes là pour croire à sa parole. We are here to believe his word. Pour marcher avec lui. To walk with him. Nous attacher à cette parole comme question de vie ou de mort. To hold on to this word as a matter of life or death. Nul ne peut avoir d'influence sur vous si ce n'est que la parole de Dieu. Nothing else can have any influence on you. Only the word of God. Quand vous comprenez cela, when you understand this, vous croyez la parole telle qu'elle est écrite. You believe the word as written. Vous prenez la décision de baptême. You take the decision to be baptized. Vous allez à l'eau de baptême. You are going to the water of pour baptism. Pour confesser ce que vous avez cru à l'intérieur de vous. To confess what you believe within afin yourself. Afin que la communauté puisse témoigner que réellement c'est l'œuvre qui s'est fait en lui. So voilà, that, cela est manifeste extérieurement. So that the community can witness. The work that was done in you. Cet engagement de bonne conscience. This commitment of good conscience. Bien-aimés frères et sœurs. Beloved brothers and sisters. Nous vivons des temps, des moments très difficiles. We are living difficult times. Nous le disons times. Toujours, mais nous continuons à le dire. We are always going to say it. Bientôt le Seigneur va revenir. Pretty soon the Lord is coming back. Mais c'est lui qui s'attache à lui. He will hold on to him. Il aura sa récompense. He is going to have his c'est lui reward. Qui s'attache à lui. He will cling to régnera him. Avec lui. We reign with him. Ephésiens. Ephesians. Rentrons aussi dans Ephésiens encore. Let's go back to the book of Ephesians. Chapitre 2. Chapter 2. Ephésiens. Les versets 12. Verse 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, 13. Vous qui étiez jadis éloignés,
vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Amen. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alors, nous sommes de ce peuple-là. We are of these people. Nous sommes de ces gens dont la Bible parle. We are the people that ne the Bible vous regardez pas about. Comme étant en dehors de cela. Do not look at yourself as being le Seigneur of this. A un royaume. The Lord has a kingdom. Et dans ce royaume-là, in the kingdom, il n'y a que ses enfants qui peuvent y entrer. Only his children can get in. C'est là qu'il a dit... Those to whom he said, sortez du milieu de mon peuple. Come out of them, my people. Venez à moi et come je vous accueillerai. And I will welcome you. Et quand nous allons à lui, when we go to him, quand nous sortons, c'est pour nous sortons du monde pour entrer en Christ. Are we going out of the world to get into Christ? On ne sort pas pour rester quelque part. You don't go out to mais nous sortons, c'est pour maintenant être maintenant membre du corps de Jésus-Christ. We got out to be member of the body of Christ. Être ces gens-là qui croient la parole. To be those people who believe the word. Et qui marchent avec le Seigneur pas à pas. And who walk with the Lord. Ces gens dont le Seigneur pour eux est l'unique Seigneur. Those people for whom the Lord is the only God. Rappelez-vous, la Bible dit. Remember, the Bible says. Allons dans 2 Pierre. Let's go to 2 Peter, chapitre 3. Chapter 3. De Pierre. De Pierre, chapitre 3. 2 Peter, chapter 3. La Bible dit au verset 10, verse 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux 13. Et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse 16. Qui lui a été donnée. Amen. Et c'est à cela que nous sommes appelés. That's what we parce que called. Tout ce que nous voyons ici bientôt doit pouvoir passer. Everything we are seeing today will pass away. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. But the word of God remains eternally. Et le royaume de Dieu va bientôt venir. And the kingdom of God will come pretty alors soon. Nous qui sommes de ce royaume-là, who belong to that nous kingdom, qui croyons en lui, who believe in him, nous aurons la félicité. We are going to be, aujourd'hui, les gladness. Choses semblent comme si de rien n'était. The things seems like as nothing is happening. Mais bientôt, but pretty soon, bientôt, pretty soon, vous serez dans la joie. And you will be in gladness. Nous serons avec le Seigneur et ça sera pour toujours. We will be with the Lord and that will be forever. Et tout ce que nous faisons ici, everything passera. We will do here will pass away. Mais il y a que cette parole que nous croyons. There only this word that we believe in qui va nous amener auprès de notre Seigneur. Which will take us to the Lord. C'est pourquoi la Bible dit, that's what the Bible says, dans Jean 15, in John 15, que demeurez en moi, remain in afin me, que vous puissiez porter le fruit. So that you can bear fruit. Celui qui peut porter le fruit n'est que celui qui demeure en Christ. He who can bear fruit is the person who et pour demeurer can en be Christ, in Christ. Vous devez croire en lui. And to remain in Christ, you must believe vous in him. Vous ne pouvez pas être hors Christ. You cannot be outside of Christ. Et parler les choses de Christ. And talking about the things of Christ. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. We are people of the household of c'est God. C'est là que le Seigneur a élu et qu'il a préparé avant la fondation du monde. Those the Lord elected and called before the foundation of the world. Pourvu que nous puissions afin que nous puissions participer à sa gloire. So that we can share in his glory. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
May the Lord bless all of us. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Seek first the kingdom of God. Cela a d'importance capitale. It's very important. Et celui qui est de ce royaume, he who belongs to the kingdom, il va aimer le peuple de Dieu. He is going to love the people of God. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui ouvre l'intelligence. It's the Lord himself that open up our minds. Si le Seigneur ne le fait pas, tout ce que vous faites, c'est néant. If the Lord does not do it, everything else Mais you do, it's nothing. Regardez ce que David dit. Look what David said. Allons dans 1 Chronique. First Chronicles. 1 Chronique 28. First Chronicles 28. David dit ceci. En Chronique chapitre 28. First Chronicles 28. À partir du verset 18. From verse 18. Le modèle de l'autel de parfum en or épuré avec le bois, il lui donna encore le modèle du char des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ses modèles. L'Éternel, c'est lui qui donne l'intelligence. The Lord, si l'Éternel ne donne pas, the understanding. Vous verrez que même Esaïe dit la même chose. Now, également. You see, Isaiah said the Il y a une écriture dans Esaïe 26. There's a scripture in the book of Isaiah 26. Esaïe 26. Isaiah 26. Le verset 12. Verse 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Amen. Si nous pouvons faire quelque chose, if we can do il n'y a anything, que le Seigneur qui peut l'accomplir par nous. There's only the Lord that can accomplish it to il us. Y a que Dieu qui peut nous donner les dons de la foi. It's only God who can give us the gift La Bible of faith. Dit que la foi est un don. The Bible says faith Et c'est is lui a qui gift. Accorde ces dons de la foi, c'est le Seigneur lui-même. He's the Lord who gives that gift of faith. Et cette foi que nous avons vient quand nous écoutons la pire And parole faith, de Dieu. Comes when we hear the word of God. Plus nous l'écoutons, the more we listen to it, plus le Seigneur nous accorde la foi de sa parole. The more the Lord gives us afin the faith que nous of soyons the word, comme le disait le frère Joseph autrefois, so that we can be, as Brother Joseph qu'on soit bâti sur ce fondement qui est inébranlable. We can be built on the unshakable être foundation. Assis sur le fondement, to be sitting on the foundation, le fondement qui est Christ, the foundation which lui is Christ. Qui est la pierre du coin, la pierre de fait, he who is the chief la pierre de point et la pierre fêtière. And also the ce qui montre le commencement et la fin. Which was the beginning and lui the end. Qui a commencé cette œuvre en he tout et chacun de nous. This work in each one of us. Le Seigneur lui-même achèvera son œuvre. The Lord himself will fulfill that à work. À nous de nous attacher à lui. We just have to cling to him. Ce qu'il veut de nous, c'est d'avoir la foi et de croire sa parole. What he wants from us is to have faith and to believe his word. Lui accomplira tout ce qu'il a dit promettre dans sa parole. He is going to fulfill everything he promised in his word. Parce que le Seigneur ne ment point. Because the Lord does not lie. Tout ce qu'il dit n'est que la vérité. Everything he said is the que truth. Que Dieu nous bénisse. May God bless et que Dieu all soit of us. Avec tout un chacun May de nous. God be with each one of us. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Nous voulons saluer nos bien-aimés qui sont là pour la première fois. We want to greet our brothers who are here for the first time. La sœur Tati m'a fait un message qu'elle venait avec son amie. Je crois qu'elle est là. Our sister Tati sent me a message that she's coming with a friend. Voudriez-vous vous lever, notre sœur? Would you please stand up? Et vous pouvez vous présenter. Can you introduce yourself? My name is Yasser Jones. I was invited by Sister Yaya. God bless you. Thank you. You are welcome among us. Nous avons une lettre de nos frères de Bénin. We have a letter coming from our brothers in Benin. Ils ont écrit pour remercier les dons que vous avez fait. They wrote this to thank you for all the gifts that you made to them. Et ils sont persuadés que Dieu They are persuaded that God n'oubliera pas ces gestes que vous venez de faire. I will not forget everything you have done. Et qu'il va vous bénir. And he is going to bless Recevez you. Recevez donc les salutations de Please nos frères de Bénin. Please receive the greetings from our brothers Au nom in Benin, du Seigneur in Jésus in the Christ. Name of the Lord Jesus Christ. Ils nous ont donné quelques passages des Écritures. Yeah, they gave us some few scriptures.
Nous sommes déjà dedans dans les Écritures. We are already in the Scripture. Nous savons que la parole, lorsqu'elle est lue, elle est une bénédiction pour nous. We know that when the Word of God is read, it's a blessing for us. Dès le début du culte. From the beginning of the service. On nous a lu déjà une Écriture. They read unto us a Scripture. Pour montrer que. To show that. Nous recevons la parole. We receive the Word. Et Dieu aime les nations. And God loves the nations. Et voilà encore que le frère vient de nous montrer. He again, our brother. Que nous devons rechercher premièrement le royaume des cieux. That we must seek first the kingdom of God. Et le reste, and the rest, nous sera donné par sur quoi. All other things will be given unto us as well. Voyez-vous ça comme ça? Et quand Jean-Baptiste est venu, when John the Baptist came, il disait que le royaume des cieux est proche. The kingdom of heaven is near. Et quand Jésus est venu, when Jesus came, il dit le royaume est au milieu de vous. He said the kingdom is among you. Et il dit encore que le royaume ne vient pas de manière à frapper l'œil. He said, oh, the kingdom does not come as you expected it to come. Et quand vous lisez dans Luc 16, when you read in Luke 16, je pense le verset 16 aussi. I believe verse 16 as well. Il dit, tous les prophètes ont annoncé. And all the prophets proclaimed. Ils ont prophétisé. They prophesied. Mais depuis Jean-Baptiste, since John the Baptist, le royaume des cieux est annoncé. The kingdom of God is proclaimed. Et chacun use de violence. Everyone is aggressive to take a hold of it. Êtes-vous de ceux-là? Are you of those? Voulez vous emparer du royaume? Are you want to take a hold of alors, the kingdom? Quand la parole sort, recevez-la. And when the word of God comes up, please receive it. C'est qui nous introduit. It's the word of God that introduces et le us. Royaume des cieux doit être en nous. And the kingdom of God must pour be in qu'un us. Jour nous puissions régner avec so lui. That one day we can rule with him. Nous nous ajoutons we are going to add quelques conseils some few advices avec les paroles de l'apôtre Paul. With the words of from the apostle Paul. Ayant entendu toutes ces choses, having heard all those things, nous voulons garder l'évangile. We want to keep the gospel de telle manière que in a way that nous ne puissions pas être emportés. In a way that we may not be shaken. Que nous avons cru. Believe the word that we have believed in. Êtes-vous présent dans la salle? Are you in this room? Nous lisons dans Galates au chapitre. Let's read in the book of Galatians, chapter 1, verset 7 à 9. From verse 7 to 9. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul. Here Paul. Comme vous l'avez entendu. As you heard. Pendant que le frère a donné l'écriture de Deutéronome. Now while our brother gave the scripture in Deuteronomy. En anglais c'est très bien dit. It's very well said in English. Là dans nos Bibles en français. In our Bibles in French. C'est écrit écoute ô Israël. It says listen O Israel. L'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu. The Lord your God is the mais only God. En anglais on lit. In English they said. Que l'Éternel est un. The Lord is one. Si vous avez, vous pouvez retrouver ça. We can find it again. L'écriture que le frère Vincent vient de nous lire tout à l'heure. The scripture that our brother Vincent read dans early on. Deutéronome. Deuteronomy. Nous voulons rappeler que l'évangile que nous avons reçu. That the gospel that we received. Nous ne puissions pas être éloignés. We cannot go far away or be stray away. De ce que le Seigneur nous a enseigné. From what the Lord taught us. Au verset 4. Verse 4. En français, je lis. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Que dites-vous en anglais, frère? Deutéronome chapitre 6. Deuteronomy 6 said, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Est-ce que vous suivez ça? Are you following? Ça fait partie de ce que nous croyons. This is part of what we believe. Et gardez ça de tout votre cœur. Keep this with all your heart. L'Éternel notre Dieu, the Lord our est God, l'unique. The Lord is one. Il est seul, il est un. He's one. Ils ne sont pas plusieurs. They are not many. Alors, ce qu'ont enseigné les apôtres, but what the apostle taught, cet évangile du salut, this gospel of salvation, qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, which is about our Lord Jesus Christ, Paul l'a prêché, Paul preached it, et il voulait que le peuple demeure, he wanted the people to remain, dans cet évangile-là. In this gospel. Et il dit, and he said,
qu'il y a des gens qui troublent. There are those who trouble the people qui of peuvent God. Vouloir, comme on le lisait hier, who can, si vous adorez la bête ou l'image de la bête, if you worship the beast or the image of the beast, vous irez dans le tourment. Now you are going to the torment. La gloire dont on vient de nous décrire ici, vous n'allez pas le participer. You are not going to take part of the glory that alors, we just talked about. Alors il y a des gens qui troublent, qui altèrent l'évangile. There are people who trouble, who distort the gospel. Le vrai évangile du Seigneur. About the true gospel of the Lord. C'est celui qui nous montre Christ. It's one that shows us Dieu Christ. Dieu manifesté en Christ. God manifested in Christ. Alors si nous le gardons, if we keep it, tel qu'il nous a été enseigné, as he was taught to us, dans les termes qu'il nous a été enseigné, in the terms that he was les taught promesses to us, que nous venons d'entendre sont oui et amen. The promises that we heard are yes and amen. Mais là, regardez comment Paul met en attention. Now look how Paul is warning us. Il dit mais même si nous-mêmes, is even ourselves, lui-même Paul, even himself Paul come back, et qui commence à enseigner autre chose, and started teaching qu'il avait other dit things, précédemment, then what he said earlier. Croyez pas. He said, do not believe him. Ça, beaucoup de chrétiens ne prennent pas attention. Many Christians do not pay attention to this. Regardez dans Galates là. Look in the book of Galatians. Il dit au verset 8. Verse 8. Mais si nous-mêmes, donc lui Paul parmi, Paul among them as well, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant à celui de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Vous voyez bien, mes frères. You see, beloved brothers. Je reviens sur les paroles du frère. Now I'm going to come back to the words of my brothers. On nous a montré que c'est Dieu d'abord qui nous a choisis. First, he showed that God chose il us. Il nous a appelés. He called us. Et nous avons en nous. And we have in us. Comme un aimant. As a magnet. Il y a cet aimant là. Si vous allez le mécanicien en train de travailler votre véhicule, When you have a magnet and you go to a mechanic working on a car, si un boulon tombe ou bien une petite chose là, if a small part just falls, il prend l'aimant, il commence à chercher en dessous du véhicule, you put his magnet and try to find le it, and sable then ne you vient take pas. It. You won't see any sand le, on it. Le caoutchouc qui sont là ne s'attire pas. Any rubber that is there mais cannot be drawn to that magnet. Ne touche que le fer. The magnet can only draw iron. Cette nature là pour être attiré. And only things that have a nature en to be attracted. Nous ne bougeons que devant l'évangile. We can only move to the gospel Dieu when the gospel is preached. Dieu a mis ça en nous. God put that in us. Et c'est ainsi que that's why nous n'avons fait absolument rien. Now we did nothing. Mais ce que Dieu avait mis déjà. What God put en nous already avant in la fondation us, du monde. In us way before the creation of the l'évangile. World. Seek the gospel. Et quand nous avons entendu l'évangile. When we heard the gospel. Nous voici, nous avons cru. Here we are, we believed. Nous sommes comme les gens. We are like qui people. Ont un appareil radioactif. We have people who have a radioactive si tool. Ici il n'y a pas le quoi c'est l'uranium. But if there's no uranium here. Ça ne sonne pas. It will not, ça ne fait aucun signe. They will not make any noise. Tout est normal. Everything is normal. Mais quand ça raconte, when it meets l'uranium, the uranium, les choses radioactives, things that are radioactive, ça vous signale. It will tell you that there's something there. Nous avons parcouru les églises. We went through the churches. Nous sommes entrés sortis. We got in mais and got out. Mais l'appareil ne bougeait pas. But nothing moved quand within ourselves. Quand on a entendu la parole de vérité, when we heard the word of truth, ça sonnait en nous. It sounded in on us. On ne sait pas expliquer. Yeah, we cannot explain mais it. Mais nous savons but seulement. We know, comme le frère l'a dit, as our brother nous n'avons said, pas la force contre la vérité. We don't have the nous strength against que pour la vérité. We only have it for et the truth. Et cela ne vient pas de nous. But this does not alors, come from us. Quand nous voyons when we see l'évangile prêché, the gospel being comme preached, Paul l'a prêché, as Paul preached comme it, tous les autres qui ont eu le même ministère, as all others who had the same ministries, preached si it, quelqu'un if somebody vient comes disant autre chose, saying other things que ce que nous avons than reçu, what we received, la Bible dit, the Bible said, ce n'est pas nous, it's not nous us, maudissons personne, or we do not curse mais la anybody, personne qui dit des choses comme ça, the person c'est that une personne says maudite. Such things is a person that is cursed. Il soit en atteinte. He must be eternally condemned. Nous disons ceci pourquoi? Well, why are we saying this? Puisque vous êtes l'épouse. Because you are the bride. Et vous devez croire. And you must believe. Seulement. Only. Le ainsi dit le Seigneur. That says the Lord. Et regardez comment Paul dit. Now look how Paul said. Vous reculez un peu dans 2 Corinthiens. Let's go back in 2 Corinthians. Chapitre 11. Chapter 11. Ici, ça nous concerne nous particulièrement. This is about us.
À partir du premier verset. From verse 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Verset 2. Verse 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pouvez-vous lire, frère, comme il y en a qui suivent en anglais? I hope you will put up with a little of my foolishness, but you are already doing that. I am jealous of you with a godly jealousy. I promise you to one husband, to Christ, so that he might present you as a pure virgin to him. Verset 3. Verse 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. But I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind may be somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Maintenant, regardez comment il explique. Look how he explained it. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, mais pas ici. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preach, or if you receive a different spirit from the one you receive, or a different gospel from the one you accepted, you put up with me. You put up with it easily enough. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Ici, il s'adresse à l'épouse. Here he's talking to the bride. Pas à tout le monde. Not to everybody. À l'épouse. Just to the bride. Paul dit. Paul said, je vous ai fiancé à un seul époux. I have pledged you to one husband. Votre époux. Your groom. Ce n'est pas le prophète. It's not the prophet. Votre époux. Your groom. C'est Christ. Is Christ. Jean-Baptiste disait. John the Baptist je said, suis l'ami de l'époux. I am the friend of the groom. Paul dit aussi. Paul said que also, je vous ai fiancé à un seul époux. I have pledged you to one husband pour vous or one groom, lui, to present you to him pure. As a pure virgin. Alors il craint. Mais il établit une comparaison. He's establishing a comparison. Il dit, y a eu une épouse. They said there was a groom. Cette épouse là du premier Adam. There was a bride that bride elle of Adam séduite. Was deceived. Je crains que vous, I fear that vos you, pensées ne se corrompent can be par rapport à la simplicité de l'évangile. When you come to the simplicity of the lorsque gospel. Vous embrassez un autre évangile. When you receive a different gospel. Vous recevez un autre Jésus qui or prêché, you receive a different Jesus other than what was preached to you. Esprit, or you receive a different cela, spirit. La même chose. All that is the quand same thing. Quand on reçoit un autre évangile, on reçoit un autre esprit. When you receive a different gospel, quand you receive a different spirit. L'évangile de la vérité, when you listen to the gospel of the aussi truth, l'esprit de vérité. You also receive the spirit of the alors, truth. Il dit cela, he said this. Et il dit, he also je said, ne peux pas. I cannot, que ce qui est arrivé avec l'épouse, or what happened with the bride of Adam avec l'épouse de Christ. Can happen with the bride c'est of Christ. Pourquoi, mes bien-aimés frères, that's why, my beloved Dieu brothers, a voulu aussi God wanted qu'en notre temps, that in our time, la parole de Dieu the word of God soit restaurée and be restored pour que so that il ait une épouse there's qui a bride ne puisse plus tomber comme Ève était tombée. Can fall as Eve fell. Nous savons comment Ève. We know how Eve. Comment elle a été d'abord créée? She was created. Quand Adam était spirituel. When Adam was spiritual. L'homme spirituel ne pouvait pas tomber. A spiritual being could not fall. On lui a donné un corps. They gave him a body. Et de ce corps, from that body, on a tiré une femme. They took a woman quand out Adam of it. A regardé elle, when Adam looked at Eve, il a vu en tout. He saw in her. Une personne semblable à lui. A person like him. Avant, il voyait les animaux. Now, beforehand, he was seeing mais animals. Fois-ci, but this time, il touche comme ça. He touches. Elle a des cheveux comme moi. She has hair like me. Il rit, il voit qu'elle a des dents comme moi. And he sees that il she has teeth. Il regarde la peau, mais c'est comme moi. Her skin is just et like dit, me. Ça, c'est l'autre moi. He said, this is another on me. On l'appellera Isha. She will be called puisque Aisha. Puisque moi, je suis Ish. Because et I am elle Ish. Elle est tirée de moi. She is Isha. Taken from me, Aisha. On l'appellera femme. And they will call her a woman. Parce qu'elle a été tirée de because moi. Because she was taken out of êtes-vous me. Êtes-vous là? Are you with me? Donc, il l'aimait. He loved
after her. This is another me. But from all the animals, exist, for all the things that exist, dit, Dieu a créé l'homme pour qu'il règne sur tout. God created the man so je he can rule everything. Mais je n'ai pas quelqu'un comme moi. But I rule over everything, but I don't have somebody like me. L'autre moi. This time around, this is alors, another me. Il vivait en paix. He was living in peace. Mais le trouble est venu. The trouble came. Quand l'ennemi when the enemy est venu, came, il a amené les réflexions. So he brought reasoning. Il a amené he brought le raisonnement. Reasoning. Il a amené l'intellectualisme. He brought some. Il a amené un autre évangile. He brought a different il gospel. Il a commencé à lui faire douter. He started making doubt. Let's est-ce think. Que réellement, is it true? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? God did God really say? C'est l'esprit qui est encore aujourd'hui. That's the spirit that's frère, here today. Sœur, brothers and sisters, croyons à la simplicité de l'évangile. Let's believe in the simplicity of le the gospel. Le monde actuel, world un monde today, intellectuel. Is an intellectual world. Les gens, people, les choses que Dieu a fait en notre temps, the things that God did in our time, ils ne le croient pas. Don't, people don't ils believe veulent them. Raisonner. They want to reason. Même quand nous nous réunissons, now, even when we gather, nous prions, we pray, nous prêchons, we preach. Il y en a qui raisonnent. There are those who reason. On n'a pas le temps de ça. We don't have time nous for that. Nous annonçons. We proclaim. Nous proclamons. We proclaim. Ce que le Seigneur a dit. What the Lord has voir said. Arriver. To come. Croyez à cela. Believe. C'est ainsi que vous expérimentez. That's how you are going to experience. Vous expérimenterez les choses promises. Things that are promised to us. Mais Eve a raisonné. Eve reasoned, et nous voyons que la mort était entrée. And we see that the mais death pour came la deuxième Eve, for the second Eve, pour cette église et pour, for this church bride, Paul dit, Paul said, je ne veux pas I do not que want cela vous arrive. This et nous happened veillons to you. À ça. We are watching over le Seigneur the Lord aura une épouse. We have a bride. Cette fois-ci, this time elle n'est pas tirée de la chair. Not, it does comme not come from celeste, the flesh. Since he is heavenly, il est la parole faite chair. He is the word made flesh. Cette épouse, this bride, elle est tirée de lui. That came from him. Donc elle sera aussi she will also parole be de sa parole, word of his word, esprit de son esprit, spirit of his spirit. Ça sera une autre Ève, it will be another telle que Christ est, as Christ is. C'est pourquoi aujourd'hui, that's why today, le message que nous avons reçu, the message that we received, c'est un message d'identification. It is a message of identification. Être semblable à Christ, to be like Christ, en toutes choses, in all things. Êtes-vous là, Église? Are you here, church? C'est ça, c'est de l'Église recherche. That's what the church is seeking. Quiconque croit, whoever believes, à ce message, to this message, du temps de la fin, of the end time, c'est un message de restauration. It is a message of ramener restoration. Ce qui était perdu. Bringing back le frère what was lost. Disait tout à l'heure, our brother said earlier pas, on nous a pas ramené au temps de Moïse. They did not bring us back to the time of Moses, but to début, what was in the beginning. The harmony that was in the beginning. Eve était semblable à Adam. Eve was like Adam. L'épouse doit être semblable à Christ. The bride must be like c'est Christ. C'est ainsi que Christ veut avoir son église. That's why Christ wants to have his church. Vraiment identique. Yeah, identical. Or nous croyons. Yeah, we believe. Selon la parole. Now, according to the word. Selon Romains chapitre 8. According to Romans 8. Vous croyez ces choses? Do you believe je these things? Je me sens bien pour le lit. I feel good et to read them. Et je sais que them. Quiconque est de Dieu. I know that whoever ira amen God, à ça. We say amen to this. Romains au chapitre 8. Romans chapter 8. Nous croyons que cela est vrai. And we believe this is true. Que cela arrivera. And this will happen. Que dit l'écriture? What does the scripture say? Au reste, frère, nous savons du reste à partir du verset 8. From verse 8. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Êtes-vous de ceux qui aiment Dieu? Are you those de who ceux love qui God? Cherchent le royaume des cieux? Those who seek the kingdom of de God? Ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. According to his plan. Donc tout. Everything. Bien, mal, tout, échec, good, réussite, bad, tout concourt. Everything works together. Au bien de ceux qui sont appelés par Dieu. Work together for mais those. Regardez. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alléluia. Alléluia. Ceux qu'il a connu, those he foreknew, il les a prédestinés, he predestined them, à être comme Christ, to be like Christ, une épouse parole, a bride word, et bien aimé frère, beloved brothers, j'ai dit ces choses, I'm saying these things,
Puisque la parole déclare, because the word of God declares, nous vivons encore aujourd'hui. Because we still live the same thing today. Mes bien-aimés frères, my beloved brothers, veillez à ce que l'évangile que vous avez reçu, watch over that the gospel you received in your heart, comme dit Jean, as John said, que l'esprit, that the spirit, vous a enseigné dès le départ, taught you from the beginning. Gardez cela. Keep it. Ne vous éloignez pas. Do not stray away. De l'évangile, from the gospel, que vous avez reçu dès le départ, that you received from the beginning. Il est écrit, it's written, quand vous allez dans un roi, when you go to First Kings, je vais vous lire quelques passages dedans, dans un roi chapitre 13. I'm going to read three scriptures. Vous connaissez, c'était le temps où First Kings, le royaume d'Israël était divisé en deux. That was the time the kingdom of Israel was divided in two. Le royaume de Juda, there was the kingdom of Judah, et le royaume d'Israël, and the kingdom of Israel. C'était les deux fils. Those were the two sons Salomon, of Solomon, tant d'autres, mais ceux qui s'étaient partagé le royaume. Those were those who shared the king, divided the kingdom. Il y avait le royaume dirigé par Roboam. And there was the kingdom that was Jéroboam avait dit led by Jeroboam. Maintenant, la capitale, Jérusalem. Jerusalem was the capital city. Là où devait se faire l'adoration. Where the worship had était to take resté place, du côté où Roboam était. It was on the side where Roboam was king. Jéroboam, Jeroboam, avec les 10 tribus, with the 10 ils n'avaient pas Jérusalem entre leurs mains. They did not have Jerusalem in donc, their hands. L'adoration, it means le the lieu worship, que Dieu avait choisi, the place that God chose, n'était pas avec eux. Was not with them. Alors Jéroboam, Jeroboam, avec ses conseils, with his advices, il a trouvé que found si that les gens continuent à aller, with people adorer go, toujours à Jérusalem, if people can keep on going to Jerusalem to worship, their heart, or will turn to Roboam. Je vais leur faire des dieux. I'm going to make God for them. Je vais leur accorder un autre évangile. I'm going to teach them a different je vais gospel. Leur dieu faire une chose semblable. I'm going to make something et like. Vous êtes avec moi. Are you with me? Alors, ils avaient bâti. And they built à Bethel, in Bethel, et à Dan, and in Dan, ils ont fait des veaux d'or. They made golden pas calls, le Dieu véritable, not the true God. On adore à Jérusalem, and not the true God that mais they worship ça, in Jerusalem. Des veaux d'or. But here they made golden calves, et on a placé pour and they put them there les for gens, them. People qui n'étaient pas sacrificateurs, who were not priests, ils payaient l'argent, ils devenaient sacrificateurs. They were paying money and became priests. Et des choses de désordre. And that was mais all of the mess. Dans 1 roi 13, when we read in 1 Kings 12, Dieu a envoyé un prophète. God sent a prophet venu de Juda là-bas. Coming from Judah, il est venu pour prononcer. He came to proclaim des choses vraies, true things, pour détruire ces idoles qu'on devait faire, to destroy Jéroboam the idols that Roboam did. Nous allons dans Premier Roi. Let's go to First Kings. Et vous comprendrez ce que nous avons lu au départ. And you understand what we read in en the beginning. Disant, by saying, si même un ange venait, even if an angel vous enseignez comes, notre évangile, ne le recevez pas. Teaching you a different gospel, do not receive him. Êtes-vous l'Église? Are you with je me? Suis dans Premier Roi chapitre 13. I'm in First Kings 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam s'éteignait à l'autel pour brûler le parfum, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, three, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Verse 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendu contre lui, devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Êtes-vous là? Are you there? Cet homme est venu.
This man came. Il est venu de Juda. He came from Judah. Pour prononcer to la malédiction. Your curse. La punition de Dieu. The punishment of God. Il dit, he said, cet autel ici. This altar here. Dieu va susciter. God will rise up. Bientôt aller dans la maison de David. In the house of David. Josias, il a même donné le nom. He even gave the name. Un fils naîtra. A son will be son born. Nom sera Josias. His name will be si Josiah. Si vous allez dans Chronique, dans deux Chroniques. If you go to Second Chronicles. 34, you'll see the story ça of Josiah. S'est accompli comme ça. That's how it happened. Il dit, c'est ici, he said here, on est en train d'offrir they are offering, les holocaustes à des démons. The sacrifices to demons. On offrira they will sur offer cet autel ici on this altar, les prêtres qui font ce service. The priests that are performing this service. Seront brûlés their par Josiah. Bones are going to be burned et by Josiah. Ici est le signe. This is the sign. Pour que vous sachiez que je suis envoyé de so Dieu. So that you can know that I was sent by God. Maintenant même. And now, l'autel right now, va se briser. The altar will be split et la apart. Sera répandu. And the ashes will be poured out. Jéroboam entendait ça le roi. Jéroboam heard dit, that. Il étend la main, il dit, saisissez-le. He stretched out his hand. He quand said, seize the person. When he stretched out his hand, the hand shriveled. Et l'autel s'est fendu. And the altar was split apart. La poussière s'est répandue. And the ashes were spread out. Ils ont reconnu que c'était la parole and they recognized de l'Éternel. That was the word of the Lord. Est-ce que vous suivez ça? Are you following? Quand nous disons when we say, que nous avons reconnu cette parole comme we vrai, have recognized this word as being true. Tous les témoignages it's not all que the testimonies le Seigneur a donné. That the Lord nous gave. Avons reconnu we have que recognized c'est vraiment la parole that de Dieu. It is the true word of God. La parole de Dieu ne peut pas faillir. And the word of God cannot fail. Est-ce que vous croyez ça? Do you believe this? Le ciel est toujours là. Heaven is still there. Le ciel ne tombe jamais sur nos têtes. Never fall on pourquoi? Our head. Why? Parce que Dieu avait dit. Because God que said, le ciel reste là. The heaven must stay there. The sky le must stay there. Le palmier est là. The le palm, palmier donne toujours les noix. The palm tree is always there. Pourquoi? It's going to give car fruit. Dieu a dit. Because God que said, semence every seed produit selon son espèce. Must produce according to his species. L'oranger est là. The orange il donne tree toujours is there. L'orange. He's always going to give le orange. Le soleil est là. The sun il is there. Il toujours. He always rises up. Dieu a dit. Because God said. Tout ce que Dieu dit. Everything God est indiscutable. Cannot be argued with. Ce que with. Dieu dit est la said, vérité. Everything God says is the truth. Ne mettez pas dans la tête. Do not put in your head. Que l'homme vient de saint. The man comes from chaque singe se reproduit selon son espèce. Every apes will reproduce according et to his species. Et les hommes nous reproduisons d'après nos espèces. And we human beings are going to mais reproduce according to our species. Mais jamais un singe donnait un homme. Jamais. Never apes will give la another, parole a, de Dieu s'accomplit et elle est la vérité. Now the word of God will be fulfilled. Alors, and it is the truth. Ça c'était la parole prononcée par un homme de Dieu. This was the word said by a man of God. Elle s'est accomplie. And it was fulfilled. Mais cet homme en venant. This man by coming, God gave him some orders. Quand tu vas, tu prononces, when you go there and you say this, ne rentre pas par le chemin, do not come by the same way you went rien. In. Do not eat ne anything. Touche à rien. Do not touch anything. Est-ce que vous comprenez? C'était les instructions du Seigneur. Those were the instructions from the Lord. Maintenant, l'homme de Dieu est venu. The man of God came. La prédication était bien. His preaching il was a good. Proclamé. He proclaimed. Il a prophétisé. He prophesied. Ça s'est accompli. He came to pass. Mais lui-même n'a pas pris garde. He himself did not take heed. À ce que le Seigneur lui a dit. To what the Lord had told him. Quand le roi when the king lui a supplié, begged him, prie Dieu pour moi, pray God pour for que me, je puisse remettre ma main, so that my hand can normal. Come back to normal. L'homme de Dieu a prié, the man of God la prayed, main était guérie, and the hand was healed. Et le roi and the king se sentit bien, felt il good. Dit, oh, tu es un homme de Dieu. He said, yes, you are tu a man peux parler of God. Comme ça. You can speak like viens this. Dans ma maison. Come to my house. Comme le frère vous disait tout à l'heure, as our brother les said gens to allaient you, trembler. People je are suis going reçu par le roi. I was received un by the king. No. An important person received me. Cet homme n'a pas tremblé à ça. That man did not shake il before dit, all viens, those. He said, même, mange même le pain. Just eat a little bit of bread. Il dit, je ne prendrai rien. He said, I'm not going to pourquoi take anything. Dieu why? M'a dit. Because God said to me. Est-ce vous comprenez? Do you understand? Il a refusé. He refused. Et il est parti. And he went away. Mais quand il est parti, when pendant he went, qu'il était en chemin, while he was on his la way nouvelle back, s'est répandue. The news was spread. Il y avait dans la ville there was in the city, un autre, la Bible l'appelle
vieux prophète. And not the old prophet. It means l'esprit ne travaillait plus avec lui. The spirit wasn't any longer with him. C'était un homme au garage amorti. It was a man that was Dieu ne l'utilisait plus. God did not use mais the man il était, anymore. Il recevait la vraie onction. Yeah, he was receiving the, mais the true Dieu anointing. Mais Dieu ne l'utilisait plus. But God did not use him anymore. Il a appris la nouvelle. Yeah, he heard the news. Il y a eu un homme. That there was a man. Il est venu. Who came? Il a fait tel miracle. He did this miracle. Et il n'a rien touché. And did not même touch le roi anything. L'a appelé. Even when the king called him, lui disait seulement, recherchez d'abord le royaume des cieux. He always said, seek first the kingdom of heaven, and then. Il n'a rien touché. He did not touch anything. Quelle est la route où il est parti? Where did he go? What is the way dit, that il est parti par he ce used? Chemin. They say, well, dit, he went through this way. Ce vieux prophète l'a dit. The old prophet said, scellez pour moi l'âne. Seal the, on a scellé l'âne. The donkey for me. Il est monté dessus. And he rode that donkey. Il a suivi le nombre de Dieu. And he followed the man of God. Lorsqu'il est arrivé là-bas, when he got there, regardez les paroles que nous avons lues au départ. Look at the word that we read dit, in the beginning. L'ange m'a parlé. They said the angel spoke to et me. Et il m'a dit and he said to que me, je puisse te ramener. That I can bring you back. Que tu puisses manger. So that you can eat. Que tu puisses boire. And you can drink. Vous suivez ça? Are you following? C'est pourquoi Paul dit. That's what Paul si said. Si même un ange du ciel. Even when an angel from heaven. Venant disant autre chose. Come and saying que a different thing. That we proclaim qu'il to soit you. Let him be eternally cursed. Mais voilà l'ange. Look at here the angel. La parole de Dieu ne se contredit the jamais. The word of God cannot contradict each quand other. Quand vous voyez. When you see. Quelqu'un dire ça. Somebody saying vous this. Vous lisez vous-même. Or you vous read yourself. Ça, you read this. Vous lisez autre chose. I read another thing. C'est que la confusion est en vous. It means that the confusion is in you. God cannot contradict Dieu himself. Ne peut pas dire une chose ici. God cannot say one venez thing dire le contraire là-bas. And non. Say the opposite of it, over there. Êtes-vous là? Are you with me? Prenez avec moi la Bible, let's take the Bible with me. Quand cet homme donc a fait ce miracle, when the man did the miracle, le verset 7, verse le roi 7, dit à cet homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Vous suivez? Are you following? Jusque là, tout était bien. Until here, everything il was a right. Respecté l'ordre du Seigneur. He respected the order, mais the command celui qui of the va Lord. Le séduire, he who is going ce to n'est deceive pas him, un politicien. It's not a politician. Ce n'est pas un scientiste. It's not a scientist. Mais c'est un homme qui vient avec un autre évangile. It's a man that comes with et a qui different va dire, gospel. Dieu aussi m'a parlé. And who is going to say God also spoke to devant me? Devant l'argent, il n'a pas tremblé. Before money, he did not. Devant did not, toutes ces choses, il n'a rien fait. Before all other things, he le did not danger, move. The danger. Ce sont ceux qui portent ce livre. Are those who have this book in et their hands. Voilà, il vient. And now he comes. Un autre. On nous dit au verset 11. Verse 11. Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là. Je vais seulement écourter. Je vous ai déjà raconté ce qu'il a fait. Mais regardez maintenant. Je descends directement. I'm going down. Au verset 18. Verse 18. Voilà le langage de cet homme. Look how the man, the old prophet said. Il dit donc à ce prophète. Il dit. Moi aussi, verset 18, verse moi 18. Aussi, je suis un prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. The Bible says he was lying to him. Vous comprenez? You understand? Et l'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain et 19. Il but de l'eau dans, dans sa maison. Vous voyez? You see? D'où vient la séduction? Where that deceit come d'où from? Vient la sorcellerie? Where does witchcraft come from?
Ça vient du haut de la chaise. It comes from the pulpit. Il lui a persuadé le contraire de ce que Dieu lui a dit. Him the contrary of what God said. Il dit, moi aussi, je suis un homme de Dieu. He said, I am also a man le of God. Le Dieu que tu crains là, c'est celui que God je that you fear is que les autres adorent. The same non. God that I fear. Je crois comme toi à un unique Dieu. I believe as Mais you do in the only God. L'ange m'est apparu. But the angel appeared to l'ange me. L'ange m'a dit. The angel told va me. Va lui dire. Go and tell him. Qu'il vienne dans ta maison. To come to my house. Qu'il mange. So that qu'il you can boive. Eat and drink. Et il a retourné. And he turned back. Son âne, il est venu jusqu'à la maison. With his donkey and came to the house of the old prophet. On lui a servi le pain. The serving bread. On lui a servi de l'eau. The serving il a water. Mangé, il a bu. And he drank and pendant ate. Pendant qu'il mangeait, while là, he was eating, le vrai esprit de Dieu, the true spirit of vient God, sur le même vieux prophète. Came on the same et il commence old à lui prononcer le ainsi dit le and Seigneur. Start saying, thus says sans the Lord, le mentir. Without lying. Regardez. Look. Le verset 20. Verse 20. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme 21. De Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu y es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Vous suivez ça? Are you following? C'est le même vieux prophète là. The same old prophet. Quand il mentait, when he was lying, c'était pas par l'esprit. It wasn't by the spirit. Mais quand l'onction est venue, when the anointing came, il commence à lui dire la vérité. He started saying the truth. Il commence à lui dire tu vas aller en enfer. I started telling him you are going le to même là qui ment. The same one who lied. Et après ils vont commencer à vous dire. And afterward they're going to tell pas you. En ordre, since you are not in order, enfer. You are going to hell. Mais ils vous ont menti. But they lied to you to et begin ils with. Dit, ils ont dit à cet homme de and Dieu, they said to the man of God. Tel que tu es là. As you are here. Tu n'arriveras pas. You will not tu ne seras pas enterré chez tes pères. You are not going to be buried to your father's land. Va rester ici. Your body is going to stay l'homme here. De Dieu savait que avec le ainsi dit le Seigneur. The man of fini. God knew that with that il says the Lord, quand même I was done. Chat. He went back on the donkey. Pendant qu'il allait, and while he was going, un lion est apparu. A lion came. Le lion n'a pas attaqué l'âne. The lion did not il attack ne s'est jeté the, que sur l'homme de the Dieu. Donkey, but only on the man of God. Il l'a tué. He killed him. Il l'a pas dévoré. He did not devour il him. Il a coupé la tête. He cut off his head. Et il était là. And he was there. Et le lion se tenait à distance. And the lion was il looking voyait. At a distance. Les gens qui avaient vu, the people ils who sont saw allés it, signaler they went to à tell, ce vieux prophète to this old prophet. Vous savez comment il a pu crier? You know how the il old dit, prophet oh, said, mon frère. He said, oh, my brother. Et il demande and he's asking qu'on aille prendre son corps. So il that they can take, son he corps. Went to take his il body. A enterré, and he buried il him. A fait le deuil. He, dit, quand moi je mourrai, he said, when I will die, encore enterré à côté de cet homme. They are going to bury me next to this mais man. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? What, ici, la what leçon I want nous you est to donné, know, pour l'église. Are you with me, church? Même si un ange, even when an angel, du ciel venait, coming from heaven, vous apportant un autre évangile, bringing you a different un autre gospel, commandement, another commandment. Oh non, frère, no brother, ces choses-là, those things, quand on était au début de la foi, when maintenant tout est permis. Ne le croyez now, pas. Everything is allowed. Do not believe that person. Est-ce que vous suivez ça? Are you following? Gardez. Keep. Ce que vous avez reçu dès le départ. Keep what you have received from the beginning. C'est l'âge, c'est le temps dans lequel nous allons. This is the time in which we are. La séduction vient du haut de la chair. The deceit come from on the revient prophet. Sur ce qu'on avait cru. We come back pour to what montrer we believe, que maintenant, to show that now, non frère, no, pour nous, for us, ce que nous avons cru dès le départ, what we believe from the c'est beginning, sur cela que nous sommes that's where jusqu'à we are la standing fin. Until the end. La connaissance peut augmenter. The knowledge nous may pouvons increase, mieux connaître le Seigneur. We must know mais ça the Lord sera even pas un autre more, évangile. But it won't be pas a different d'autres commandements. Not other commandments. Ce que nous avons reçu dès le départ. We believe nous from voulons the beginning, garder cela. We want to keep nous it. Voulons vivre cela. And we want to leave them out. Croyez-vous ça? Do you believe this? Et à ce temps, bien-aimé, and this time, il y a un message qui est apparu. There's a message. Intitulé le témoignage. Which entitled the testimony.
Ça y est sur internet, vous pouvez le lire. The message is online, you can read it. C'est merveilleux de savoir that it's wonderful to know that in this time, nous avons reçu la visitation de Dieu. We received the visitation of God. Dieu nous a envoyé un message. God sent us un a message. Ange terrestre. An earthly angel. Ici par le frère, tout a été prédestiné par le Seigneur. As you hear here, everything was predestined Jésus by the Lord. Venir Jesus had to selon come ce qui a été prévu. According to what was foretold. Jérémie est venu. Jeremiah Dieu came. Le connaissait. Dieu le connaissait. God knew him. Dans le ventre même de sa mère. God knew from the womb of his mother. Sacré prophète. He was prophet. I was I appointed Moïse, him as a prophet. Quand Moïse est venu. When Moses came. Mais c'était connu de Dieu. He was known quand from Dieu God. Disait à Abraham, when Abraham. Que ta descendance. He said to Abraham, your descendants. Par ma main puissante. I will lead them out Moïse, by my hand. He saw Moses. That will lead the people of Jean Israel. Baptiste est venu. John the Baptist c'est came. Lui qui a annoncé le royaume de Dieu, he who proclaimed the kingdom of God that was near. Mais and so on. 112 ans. Esaïe avait déjà dit. Et Isaiah said it before. La voix qui crie dans le désert. The voice that cried donc, out in the wilderness. Tout était connu du Seigneur. Yeah, everything was known from le the Lord. Le temps que nous vivons. On the time in which il y a we live, un message qui était prévu. There was a message et that les instruments que Dieu devait employer étaient aussi prévus. And the tools of God was also bien-aimé frère. Known, ce beloved témoignage brothers, est digne d'être écrit comme ça tous les autres dans la Bible. Testimony is deserving of being ici, written all the testimony. Un homme de Dieu. Now here in Kentucky, a man of God was born. C'était en avril. He was in April. 6 avril 1906. April the 6th, 1916. Alors que ses parents n'étaient que catholiques. His parents were Catholics. Ils ne croyaient pas. They did not believe. Ils n'étaient pas des croyants. They were not believers. People that were devoted to God. Un jour. But one day. Quand ils ont eu cet enfant, when they had that child. About 5 a.m. Quand ils ouvraient la fenêtre. They opened the window. Une lumière est entrée. A light came in. Et s'est mis au-dessus du lit. And it was standing on the crib that the child was laying. The son was born under the sign. When he was 2 years old, the child saw la voix lui dit, the voice telling him que nous déménagerons, we will leave this place, Albany. We will go to Albany. Donc, une cité close de New Albany. A city that was close to New Albany. Cela s'est accompli des années après. That was fulfilled years later. À l'âge de 7 ans, at 7 years old, alors que le frère Branham allait pour puiser l'eau, when Brother Branham was going to draw some water, il entend la voix dans les bois. He heard the voice coming la voix from lui the dit, woods. Ne and he said, suis pas. Do not defile yourself. Ne prends pas les Do not take any liquor. Ne fume pas. Do not smoke. Ne suis pas ton corps d'aucune manière. Do not defile your body in any way. Pour le travail que j'aurai à faire for avec toi. The ministry that I will do with you, that I'll give to you. Et le Seigneur a veillé sur ça. And the Lord watches over tard, that. Over that. Years jeunes, later, as young people, all young people, fumer, he wanted to drink. Le whisky. He also wanted to drink some liquor. Dieu est intervenu. God intervened de manière surnaturelle. In a supernatural way. Un jour même, il voulait tuer quelqu'un à cause de son chien. One day, he wanted to kill somebody because of his dog. Mais le fusil a refusé. But the gun refused. Dieu prenait soin de son serviteur. God took care of his servant. Il devait utiliser. He had to use him. Et quand il était à l'âge, when he was pouvoir servir le Seigneur. At the age to serve the alors Lord, qu'il s'était converti he converted himself et as a Baptist. Jeune pasteur, he was a young pastor. Il y a eu des gens, there were people. Après avoir fait une campagne, after a campaign, environ 500 personnes avaient cru. Almost 500 people c'était believed. En 1933. It was in 1933. Alors, comme il y avait un monde qui avait cru après la campagne. Because he had a bunch of people that believed after the campaign. Beaucoup de gens étaient venus au service de baptême. Many people came to the baptism service. Pendant qu'il baptisait. While he was baptizing people. Arrivé à la 17e. At the 17th il person. La voix. He heard a voice. Il lui dit, regarde en haut. Telling him, look up. Regarde. Look. Et quand il entend encore la troisième fois, the third time when he heard that voice, les gens qui étaient tout autour, all the people that were around, il n'y avait pas de pluie, there wasn't any rain, mais c'était comme des tonnerres, it was like thunders and everybody lay down. Il a entendu une voix audible. A voice spoke to him. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste. The same way I sent John the Baptist. Avec ce message, I'm sending you with this message, qui préparera which will prepare my second coming. Et ce message, that message est ce que nous vous faisons entendre. Is what we are preaching.
Quelques années après, a few years later, Dieu lui a donné le don de miracles. God gave him the gift of miracles. Les baptistes disaient non, c'est faux, c'est du diable. The Baptist said this come from the devil. Et il était troublé. He was troubled. Il ne savait pas si ce qu'il a cru est la vérité. He did not know if what he believed in was the truth or not. Une après-midi, il est revenu du travail. In one afternoon, he came from work. He asked his wife, go to my work and tell them I'm not coming. I am troubled. Je ne peux pas continuer cette vie comme ça. I cannot keep on living this life like Jésus. This. In my soul, que I love Jesus. Me délivre, on me dit que j'ai un mauvais esprit. People are telling me I have an evil spirit. Pendant qu'il se souciait, while he was worried, il voit, he saw l'ange du Seigneur, the angel of the Lord lui est apparu. Appearing to him. Et cet ange, that angel, comme l'ange, as le the angel, véritable, the true angel, qui lui est apparu, appeared to him. Il lui dit, he said to him, je t'envoie, I am sending avec you. Deux with two signs. Si tu es sincère, if you are sincere, et que tu amènes les gens à te croire, and you bring people to believe you, aucune maladie ne résistera no à tes prières. Sickness will resist before your prayers. Il dit, mais on me dit que c'est du diable. He said, well, they're telling me this spirit comes from the devil. Et si cela était de Dieu, if he were from God, comment, quand un jour j'allais à Chicago, why one day when I was going to Chicago, j'ai rencontré une devin, I met a fortune teller. Elle a reconnu que j'étais né sous. Yeah, he told me that I was born under a sign. Et comment un démon peut reconnaître le don de Dieu? How can a demon recognize the gift of God? It means that it came from the devil. Je lui dis, the angel told him, regarde dans la Bible. Yeah, look in the Bible. Regardez la vie de Jésus. Yeah, look at the life of Jesus. Les démons ont reconnu Jésus. Demons recognized Jesus. Mais les ecclésiastes ont dit Belzébul. But the teachers say it was Beelzebub. Si vous allez dans Marc, if you go to the book of Mark, je parle beaucoup de temps pour vous, ben, vous permettez. Allow me. Pour que vos yeux soient dans l'Écriture. So that choses, your eyes can be in the Scripture. C'est un témoignage digne d'être reçu. It is a testimony dans that is worthy to be received. Marc au chapitre 5. Mark chapter 5. Bon. Regardez d'abord, vous allez dans... Oui. Là, c'est eux qui appellent, vous voyez, au verset 22. Verse 22. Les scribes et les... Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Beelzebul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Vous voyez, ils appellent Jésus comme ça. C'est le prince des démons. Jesus, the Mais quand vous reculez, when you go vous back, verrez les démons eux-mêmes you see demons reconnaître themselves que Jésus est le Fils de Dieu. That Jesus is the Son of God. Vous connaissez ça. Je prends par exemple dans Marc, always in Mark, au chapitre 5. Mark chapter 5. Ce que j'avais lu, je vous ai lu dans Marc 3. I read in Mark au verset 22. J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, je suis dans Marc chapitre 5. Regardez le verset Mark, 7. Chapter 5 verse 7. Au verset 6, on dit, ayant vu Jésus de loin, ils accoururent et se prosternèrent devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Jésus, ne me tourmente pas. Car Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Vous voyez? Les démons ont appelé Jésus fils de Dieu, fils du très haut. The son of Mais the Most High. Les gens de l'église l'ont appelé que c'était Beelzebul. From the church calling Est-ce que vous voyez ça? Do you see this? C'est la même chose aujourd'hui, mes It's frères. It's the same thing today, brothers. Si vous allez If you dans go Actes des Apôtres, in the book of Acts, au chapitre 16, chapter 16, vous verrez comment Paul, you see how Paul et Barnabas, and Barnabas allaient après avoir fait des miracles. After performing les miracles, démons ont appelé. The demons voici called them. Des hommes de Dieu. Yeah, these are the qui men nous of God. Connaître la voie du salut. Who are making known the way of salvation. Paul a chassé même cet esprit-là. And Paul even cast out C'était that spirit. C'était un esprit de python dans la personne. It was a spirit Mais of python in the les person. Vraies. But they were saying ils true things. Que ce sont des hommes de Dieu. Yeah, they were saying ils these are the people of God. They recognize si le monde them. Ne nous connaît pas, if the world does mais not je vous know dis, us, les démons, but I'm telling ils you, the demons know us. Ils savent que nous sommes des dieux. They know that we are of God.
Vous comprenez? Do you understand? Mais vous irez les gens religieux. Yeah, you go to religious people. Ils vous donnent tous les mauvais noms. And they'll give you all kinds of names. Alors l'ange lui a dit. But the angel told him. Regarde dans la Bible. Yeah, look in the Bible. On a appelé Jésus Belzébuth. They called Jesus Belzebub. Mes bien-aimés frères. My beloved brothers. Alors mais cet homme. This avec man, ses dons merveilleux. With this wonderful gift. L'Amérique ici était en feu. America was on fire. Et un jour. One day. Devant des milliers de gens. Before environ 30,000 personnes. Almost 30,000 people. Et il y avait 500 prédicateurs. And there were almost 500 preachers. On a appelé. They called. C'était organisé par un révérend Best. It was Best. Organized by Reverend Best. Il voulait humilier. He wanted to humble ceux qui croient those who believe à la guérison divine. In the divine healing. Si vous lisez l'histoire, if you read the story, vous verrez comment ça s'était passé. You know how it happened. Il y avait un révérend Bossois. There was another reverend miracle, who believed in the miracles. Qui était à côté de frère Branham. Who was next to brother Branham. Il est monté he got on the pulpit. L'organisateur, il dit, je vais to the organizer, I'm going to ask you a question. Puisque tu doutes sur le miracle. Since you doubt the miracles. Si tu me réponds à cette question. If you answer this question to alors me, je vais continuer. Then I'm going to go ahead. Peut-on associer à Jésus le nom de Jéhovah? Can you associate the name of Jehovah to Jesus? Il avait difficile à répondre. He could not answer that question. Puisque si tu dis, because if you say non, that no, alors c'est que nous ne sommes pas sauvés. But it means that we are not saved. Jésus est notre sauveur. Because Jesus is our croyez-vous savior. Ça? Do you believe this? Il est Jéhovah qui sauve. He is Jehovah who saves. Et si tu crois and if you believe qu'il est Jéhovah qui sauve, that he is donc Jehovah il est aussi Jehovah Jireh. He is also Jehovah Jireh. Et si tu crois qu'il est Jehovah Jireh, if you believe that il est Jehovah aussi Jehovah Rapha, he also Jehovah c'est lui Rapha. Qui guérit. He who heals. Et Jésus est le même. Jesus is hier, the same. Aujourd'hui et éternellement. And forevermore. Un ange du Seigneur. An angel from the Lord. De Dieu était monté, when the man of God came up. Pour défendre. To defend. Un ange du Seigneur était apparu à côté. An angel of the Lord appeared next et to him. Nous savons les photos qui ont été prises. We know the pictures that were taken. Il disait, c'est tellement merveilleux les témoignages. It's so wonderful those testimonies. Mais nous croyons bien aimés frères. We believe beloved brothers. Que le Seigneur nous a visités. That the Lord visited et us. Et un message divin a été proclamé. And the divine message was nous proclaimed. Nous n'avons pas besoin. We don't need. Qu'un autre ange. That another angel. Nous disent autre chose. Tell us a different thing. Qu'est-ce qui nous a été annoncé? That what was said to us. Il n'y a qu'un seul Dieu. There's only one God. Un seul Seigneur. One Lord. Concernant l'enlèvement. When it comes to the nous rapture. Nous savons que. We know that. À un signal donné. To a certain à la voix signal, de l'archange. To the voice of les God. Les morts. The dead. Pas spirituel. Not spiritual dead. Quand on avait pris la photo. When they took the picture. Là, on ne peut pas prendre la photo psychiatrique. Yeah, they cannot. Take ou psychologique ou philosophique, non. Philosophical c'était un picture. Feu. It was a fire. La colonne de feu était réelle. The pillar of fire was real. Et si aujourd'hui, if today, nous attendons l'enlèvement, we are expecting il n'y a rapture, pas un autre évangile. There's not another pour gospel nous, for les us. Morts en Christ ressusciteront premièrement. The dead in Christ shall rise first. Et nous serons changés. And we will be changed. Ne recevez pas un autre évangile. Do not receive a different qu'est-ce gospel. Qu'est-ce que vous avez entendu dans le début? Then what you heard from êtes-vous the beginning? Êtes-vous l'église? Are you here with le me? Le Seigneur nous a visités. The Lord has visited us. Que disons-nous? What are we saying? Lorsque notre Seigneur when our Lord devait naître, had to be born, comme on a fermé, as we have closed our books, déjà. It means we are finishing. Notre Seigneur, our Lord, nous savons, we know, quand il est venu, when he came, l'ange était venu. The angel came. C'était l'ange Gabriel. It was the angel Gabriel. Il a dit à Marie. He said to Mary. Il lui a donné les promesses. He gave her the il promises. Il lui a donné un message. He gave her a message. C'était un message difficile. It was a difficult message. Vous comprenez? You understand? Marie, sa prière était. The prayer of Mary was, I am the servant of the Lord. Il me soit fait selon ta parole. Let it be done to me according to your word. Est-ce que vous pensez que Marie était restée comme ça? Do you think Mary stayed like that? Elle vivait dans une société. She was quand living in a community. Vous voyez que les gens disaient, ah, when Marie he was bearing the testimony, you think people il were clapping for him, non. For her? On s'est moqué. They were making fun of her. C'était une honte. He was ashamed. Vous voyez. You see? Avant que son mari que se rencontre avec son now, mari. Now before she even go with her husband, she is pregnant. L'ange est venu me dire. And she's saying the angel came to. Est-ce qu'un ange peut prendre les femmes? Non. Can an angel take wives, women?
He said, an angel came. Frère, can you imagine? Demeure dans la foi. But she remained in faith. Demeurons dans la foi. Well, let's remain in faith. Pour expérimenter ce que le Seigneur nous a promis. To experience what the Lord promised elle to s'est us. Fortifiée. She was making herself strong foi. In faith. Et le Seigneur, and the Lord, sa grâce, and His grace, entouré Marie, surrounded Mary, pour qu'elle ne puisse pas défaillir. So that she cannot fail. La grossesse n'était pas qu'on lui a annoncé aujourd'hui, demain l'enfant est né. Non. The pregnancy was not that a she was told today, normal. And to, tomorrow she he was oui, born. Oui, 9 mois dans le ventre. That child vous stayed vous imaginez? Nine months in his pendant in her tout womb. Ce temps-là, during that time, quel était l'opprobre de Marie? What was the shame of Mari? Joseph lui-même, et Joseph son mari, himself, ne comprenait husband, plus rien. Did not understand à un anything. Moment donné, il dit non. At a certain time, je he said no. Finir. I'm going to mais put an end to this. Dieu, since he was a man that feared God, is not a man who will go tu and say bad things about your wife. Tu n'es pas sérieux. If you go talk bad about un your wife, you're not serious. A man il who loves, sa femme. He will always cover comme for his wife. As Joseph, que les hommes disent amen. Let men say amen. Tu ne peux pas exposer ta femme. You cannot expose your wife. Tout ce que tu connais, everything you know, you go and say it like that. There's something wrong il with you. Il voulait se séparer secrètement. He wanted to separate secretly from his wife, même pas so that people cannot even problème. Know that the true problem, what mais the true problem was. Dieu, since he feared si God, vous craignez Dieu, if you fear le God, Seigneur vous visitera. The Lord will visit you. Et l'ange qui viendra, and the angel ne that will dira come, pas au le contraire, will not say que the opposite que vous avez déjà entendu. Of what you heard before. L'ange est venu confirmer. And the angel came to confirm ce qui a été dit à Marie. What was said to Mary. Mais si un ange but if an angel et vous dit autre chose and telling you a different que ce que vous avez reçu, than what you receive, qu'il soit anathème. Let him be eternally mais condemned. Le vrai ange, but the true angel, la vraie parole, the true word, est toujours la même. Is still the same. Comme les apôtres, as the apostles, ont baptisé au nom de Jésus, baptized in the name si of vous Jesus, êtes aussi dans la vraie foi, if you are in the le true baptême faith, sera toujours au nom de Jésus. The baptism will be in the name of Jesus. Vous comprenez? You understand? Dieu ne change pas. God does not change. Nous pouvons changer. We can change. Mais il demeure le même. But he remains the same. L'ange lui a répété les mêmes choses. The angel repeated the same thing. Dit, garde ta femme. Keep your wife. Ça vient du Saint-Esprit. This comes from the Holy Spirit. Et Joseph a cru. Joseph believed. Il s'est fortifié. He made himself strong. Marie a cru. Mary believed. Elle s'est fortifiée. She made herself strong. Il n'y avait que ceux qui avaient la révélation. Only those who have the revelation. Qui comprenaient la chose. Marie va, Mary went, sa cousine, Elizabeth, a cousin, elle voit, she saw, une vision lui est donnée, a vision la révélation, came to her, the revelation elle reconnaît came, que c'est la mère de mon and Seigneur. She recognized that this is the mother ce of my pas Lord. Tous. It wasn't to everybody. Mais ceux, comme vous l'avez entendu, as you heard, garde cette révélation, keep this revelation parmi mes disciples, among the disciples, parmi les disciples, among the disciples, ils vous reconnaîtront. They will recognize you. Croyez-vous ça? Do you believe this? Ils vous reconnaîtront. They will recognize soyez you. Fort, frère. Be strong, brothers. Ceux qui sont de Dieu, those who belong ils to God, nous connaissent. They know us. Ils croient. They believe. Ils nous reçoivent. They receive ils us. Entendent ce que nous disons. They hear what ils we disent say. Ça, ces gens. And they will say, ils disent les paroles de Dieu. Say the word of God. Mais ne vous souciez pas. Do not que be le monde nous les jette. About vous êtes les bien-aimés du Seigneur. You are the le royaume est pour vous. The kingdom is for you. Alors qu'est-ce que nous disons? Now, what are we saying? Comme l'épouse aussi. As the bride nous voulons as well, nous lever. We want to et dire au Seigneur. And say to the Lord, qu'il nous soit fait. Let it be selon done ta parole. According to your word. Et Seigneur garde. Nous, the Lord keep que nous ne puissions pas so that we en aucun cas in any way stray away chemin. From the c'est true un word chemin étroit. It's a narrow way it's a mais comme nous l'avons trouvé as we find garde it, nous d'y demeurer keep us sur from, ce chemin là keep us on that way, même un insensé ne pourra pas se perdre cannot sur ce chemin, away, on that way, vous n'avez pas besoin d'un diplôme. You don't need a degree, vous n'avez pas besoin de ceci, cela. You do not need ayez la foi. You do not need anything le Seigneur vous faith. Soutiendra. The Lord will et vous arriverez you au bon port. And you Église du Seigneur. Church of ne the regardez Lord. Pas au monde. Do not look at the world. Ne vous affligez pas. Do not be votre do Père not céleste your heavenly Father. A trouvé bon de vous donner le royaume. Find it good to croyez-vous que le royaume est pour vous? Do you believe the kingdom is for you? Petit troupeau. A little flock. Que Dieu vous bénisse. May God bless levez-vous you nous pour adorer le Seigneur. Let's stand up to worship the Lord. Avez-vous aimé have you loved d'être this? En ce lieu ici?
Nous voulons rendre gloire et honneur au Seigneur. We want to give honor and glory to the Lord. Nous chantons. We are singing. Que le Seigneur nous a visités. That the Lord has visited us. Et le Saint-Esprit est là. That the Holy Spirit is here. Le numéro 47. And number 47. Nous chantons. We are singing. Et strophes et ensemble. A few verses and s'il together. S'il vous plaît, ouvrez vos bouches. I beg you to open parlez your mouth. Parlez au Seigneur. Speak to the Lord. Dieu est réel. God is real. Dieu n'est pas une idole. God is not an Dieu, idol. Il entend les prières. Yeah, God hears prayers. Et s'il est pour vous, and votre Père, is your father, parlez-lui. Speak to him. Le grand jour s'est levé. The great day has Dieu risen. Nous a visités. God has visited us. Croyez-vous que Dieu nous a visités? Do you believe that nous God has visited us? We le are the beloved of God. La parole. Of the people who hear the word of God. Le grand jour s'est levé. The great day has risen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici de ton nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui élevons nos voix et adorons notre Dieu. Glorifions-le. Son amour est infini. Merci notre Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci pour ta visitation. Merci pour ton message de vie. Merci mon Dieu pour avoir accompli tes promesses. Oh Dieu, loué sois-tu. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te glorifions Seigneur. Et nous sommes convaincus